Ou alors j'ai rien compris et je suis partie trop loin. Ce qui est possible aussi. Hein. Chakra et contre-attaque. Bon, c'est la même chose. Hein. Sur son arc noir, elle a pas de vagin, donc elle est sur son... Mais... Comment tu peux savoir si c'est s'il y a un organe sexuel ou pas, Antoinou? À moins qu'elle soit à poil, mais non, mais ça va trop loin, quoi, c'est pas possible. Ça va trop loin. Attends, je dois aller où là maintenant? Sérieux, Antoinou? Non mais tu me fais hyper peur là, je déconne pas. Hein. Je sais plus si je dois aller là ou si je dois retourner au Condor. Quelqu'un peut me dire? J'ai pas suivi là. Tout ça, c'est de la faute. Votre faute avec vos bêtises et tout. Ah, si je dois aller à traîneau, mais comment je vais à traîneau? J'ai pas de moyen de transport pour aller à traîneau. Hein. Je déconne pas, j'ai pas de moyen de transport pour aller à traîneau en fait. Je sais absolument pas comment je peux y aller. Hein. Non mais c'est pas sérieux. C'est sérieux là. C'est sérieux là, toi nous. Hein. Non mais vraiment, oh putain. J'avais jamais fait attention. Hein. Non mais c'est... Non, je déconne pas, j'avais jamais fait attention. Hein. Non mais du coup c'est réellement vrai en fait. Non, bah je vais retourner à l'IFA. Non, mais elle est pas nue, mais c'est quand même. Enfin, c'est un peu. C'est spécial. En fait, je veux pas chercher l'explication. Vous allez la chercher sur internet et quelqu'un va me faire un résumé, s'il vous plaît. Je crois que je suis un peu choquée. Hein. Je m'attendais pas à avoir une bosse en fait. Hein. C'est pas de la peau, c'est une bosse en fait, c'est ça que je comprends pas. Forcément que c'est un vêtement, mais ça n'empêche que c'est une bosse le truc, tu vois. C'est pas comme quand tu regardes Grenat. Tu vois pas de bosse à travers ses fringues. C'est ça que je veux dire. Hein. Y a pas l'air d'avoir de brume fraîche, que j'avais peut-être pas encore arrivé, que s'est-il passé avec la brume? On a détruit machin, vous avez fait disparaître la...
Ils sont vraiment forts. Ah bah voilà, il y a Kuja. C'est lui. Je pense pas, vu qu'en général, Square Enix a tendance à faire des couples hétérosexuels, pardon. J'ai rarement vu des couples... jamais vu de couple homosexuel, en fait, dans un seul Final Fantasy, hein. Donc bon... Pourquoi Diffa est-il si beau aujourd'hui de vivre avec ses étoiles et par un excellent arbre des origines? Dessiné Silver Dragon, Diffa sera le siège de notre drame, la bonne personne viendra. Ok. Ok, ok. Bon, y'a Kuja, le métrosexuel. Méchant de dire ça en fait. Le personnage de Kuja est vraiment vraiment pas bien fait quoi. Mais ça vous allez comprendre au fur et à mesure. On va pas tout spoil hein, quand même. C'est pas cool si je spoil. Je me demande si j'ai pas une arme justement pour faire mal aux arbres, enfin aux plantes. Et maintenant tu as un homo. J'ai pas compris ta référence, chère Legend. Pourquoi y'a pas Rikia faire des blagues avec moi? Elle aurait été tellement parfaite, la Rikia. Bah, elle est là, le troisième œil. Jamais fini. Hein. Je sais pas si je prends celle-là, cette arme, mais ça me fera 14 quoi, c'est ça qui me fait chier. Oh, je vais essayer de l'augmenter quand même. Oh mon dieu, il va y avoir Massbot sur mon stream maintenant. Milapine. Je crois que tu t'amuses bien. Si on continue, on va dépasser le trou. Comment ça on va dépasser? C'est quoi qui est grave sur le trou? Déjà, c'est posé par là-bas. Elles sont sympas les commandes de ton bot, Milapine. Mais y a pas mal de trucs qu'on est en train de faire avec Kali, avec Shadow, avec Sun et tout. Et je sais pas à quel moment est-ce que je peux vraiment vous l'annoncer parce que comme je suis toujours en train de chercher un job. Alors bon là j'ai pas mis beaucoup, enfin j'ai pas postulé aujourd'hui, mais je regarderai les annonces demain. J'ai peur de trouver un truc pour les soldes. Et comment dire ça?
En fait, j'ai peur encore de me retrouver dans une situation où je saurais pas assumer ce que je voudrais faire, quoi. Alors à un moment, je voulais faire un marathon et tout, et j'étais en train de tout organiser, et s'il n'y avait pas eu ce boulot, en fait, comment dire, j'aurais pu tout faire, hein, simplement, mais comme c'est pas le cas, bon, je serais pas non plus, je serais pas en France, mais... C'est ça qui me saoule, c'est pas ça, après, merde. Enfin, pas de merde, mais... Alors là, si j'ai un boulot, je serais trop contente, mais... Non mais le bot de Shadow est vraiment bien foutu donc j'aimerais bien créer mon propre bot avec mon propre nom. Hein. Si je l'aime pas, je ne l'aime pas non plus. Mais le problème c'est que je saurais pas quel nom donner à ce bot. On a dit Alexandro, j'ai quelques questions à vous poser. C'est toi qui nous as fabriqué les mages noirs pour faire la guerre. Non, je vais pas appeler A-Bot, mais c'est vrai qu'un nom de bot, ça m'intéresserait bien, tu vois. Je saurais... Enfin, je sais pas. On pourrait appeler Poupée Sanaï, hein, si vous voulez. Hein. Ça me ferait bien triper, mais bon. Pas très original, quoi. Alors, je l'appelle Esclave. Il est temps de lever le voile. Regardez mon choix, Rosillon. Voici le vrai visage de votre père. Début du premier règne, fin des désirs des... What? Heureusement que j'étais mute parce que j'ai failli spoil. Hein. À tous les vaisseaux que les mages noirs invoquent toute la puissance de leur magie. Elle est horrible en fait cette reine. Hein. Ordre à sa majesté que les mages noirs invoquent toute leur magie. Blablabla. Ok, qu'est-ce que ça va donner? Je vais peut-être me remute, il y a bientôt une scène je crois. Continent ne suffit pas à votre mère, dirait-on, n'est-ce pas écœurant et stupide? Même insipide, il est temps pour moi de blesser. Comment ça, vous n'êtes que des seconds rôles, contentez-vous de regarder la scène. Passe tout à une, on n'écrit plus de rhum, mais on ne crée plus de brume, mais il ne reste que des grottes. Ouais. Alors il est encore possible de se fabriquer de nouveaux monstres, parce qu'il y a plus d'amour. Ouais, non, c'est encore... Quoi, mythe? Ah non, mais non, je vais pas... Mythe-ghost. Mais pourquoi Jidan fait si peu de dégâts? Ah non, c'est pas Jidan qui a fait des dégâts. C'est Echo, c'est pour ça qu'il a fait si peu de dégâts. Oh mon dieu, le critique que je lui ai mis! Bon, je suis désolée, mais j'aime trop Tarask. Je pourrais pas le lâcher. Hein. Qu'est-ce qui va se passer là? Les adversaires se sont trouvés, partons, nous devons combattre le vainqueur, c'est-à-dire Kucha. Le
hésites entre regarder la game de hockey ou quand tu stream. Tu sais que tu peux faire les deux, hein, Benny. À moins que tu utilises ton PC pour regarder le stream et la télé et le match, mais bon. En général, les gens ont souvent une télé et pas comme ça. J'ai pas envie d'enlever ta race, que justement il est trop bien. Même une créature aussi stupide de toi comprend que tu n'as qu'une seule solution. Stupide diva, qu'espères-tu donc? Tu ne fais que perdre du temps. Et ben, je crois que je dois jouer le premier. Si, une vue magnifique. Je vais te faire l'honneur de me montrer à toi. Regarde la créature. Bon, en réalité, c'est plus Kuja à diva que vous. Chose, mais bon. Hein. T'as pas le câble? D'accord, tu regardes sur ton portable. Ouais, ça va, un portable à 200$. Et encore, le mien, il était à moins de ça, il était vraiment pourri, par contre. Non, en fait, il était pas si pourri que ça, en vrai. Hein. Jaune. Maruxia, laisse-nous Mog Jaune tranquille, s'il te plaît. Après, bon, après, c'est vrai qu'il y a des Mog aussi dans un cache. Tu pourras même les kidnapper dedans si tu veux, hein, Maruxia. Mais laisse sur mon chat, s'il te plaît. Je tiens à le garder. Hein. J'en ai besoin. J'ai besoin de sa présence. De la mascotte. Hein. Et en plus, elle est jaune. Ça, merde, il faut que je change l'arme. Oh merde, il faut que je change l'arme, les gens. Chance, comment ça j'ai trop de chance? J'en ai aucune idée, toi nous. Hein. Mais je presse truc plus tard. Hein. Pas honnêtement si c'est le meilleur, mais moi j'adore ce qu'il fait actuellement, donc je le garde. Le
truc que j'aime bien en fait, c'est qu'en général j'aime bien voir Bibi et Steiner ensemble vu qu'ils ont des. Ils ont une certaine. Enfin, ils ont une compatibilité vis-à-vis de certains trucs. Genre, par exemple, tu vois là, Steiner il peut avoir des dégâts élémentaires grâce à Bibi, tu vois. Et Bibi c'est un mage noir donc forcément il est assez OP. Mais si j'ai pas. Enfin. Disons qu'avoir Steiner et pas Bibi, ça ne vaut pas le coup. Dans tous les cas, je garderai toujours Bibi parce que c'est un mage noir et que j'ai besoin de son côté mage noir. Bonne nuit, Crystal Dead. À demain. Sauf que c'est pas n'importe qui elle va lancer là. Bon, je vous préviens, je prends mon moment de mute pendant la scène. Je mettrai pas la gamme, pas tout de suite. Hein. Ça veut dire la grande vague, il détruit les ennemis avec une grande vague quand on utilise tous les bateaux poules. Excuse-moi Grana, je savais pas, ce n'est pas de ta faute Echo, mais ma mère va... Forcément. Oui, je mange encore.
Je sais pas pourquoi Bahamut a attaqué ce qu'il avait appelé, mais... Ah merde. Oh bonsoir Glenn, comment vas-tu? Quand on est arrivé sur Twitter, on a trouvé la reine Branet. Elle pouvait presque plus bouger, alors je me suis dit qu'elle allait bien s'arrêter. Je n'aime pas Kuja et j'aime pas la reine Branet. Alors j'avais envie qu'elle s'arrête, j'étais content. Mais en voyant Mlle Grenat pleurer, j'ai pas compris. J'ai commencé à pleurer aussi. J'entends Grenat. Bonne nuit, Garnox, dors bien. Et voilà. Adieu, Branet, elle est morte.